Monsieur Galégan, vous êtes bon, monsieur. Monsieur Galégan, bonsoir. Quand ils vont se rencontrer ici. Vous avez des questions ? Lecture des matchs. Lecture des matchs. Bonsoir. C'est le premier match de Botola. C'est clair que c'est important de commencer avec la victoire, commencer avec 3 points. Est-ce que ça c'est important la manière de commencer la saison. Comme déjà dit beaucoup de fois, nous sommes une équipe et un club que nous sommes toujours demandés pour gagner. C'est toujours, comme déjà dit beaucoup de fois, important en un club comme Raja avoir la bonne relation avec le public, parce que c'est une partie importante. Quand se gagne le match et quand se fait un bon match, c'est toujours une bonne chance pour avoir cette bonne relation avec le public, que c'est une part importante, comme déjà dit beaucoup de fois. Aujourd'hui, c'est important de gagner les 3 points. Ça, c'est ce que nous avons fait. Merci, coach. Merci, coach. Sorel, merci, Trotter. Vous avez doublé tous les postes, un manque au niveau de l'arrière gauche et au niveau de l'arrière droite. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour la suite de la saison? C'est quoi toi de venir? Arrière droit ou arrière gauche, est-ce que vous êtes satisfait des recrutements et des deux latéraux? Non. Je pense. Normalement, tu dis la vérité, non? Que tu écris, dis la vérité. C'est devant la caméra de toutes les manières. Je te fais la question à vous. Je te fais la question à vous. Je te fais une question. Tu me peux dire oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, ok. Je pense que nous avons commencé la saison. Une saison que pour nous, la saison a commencé avec le match officiel. Le premier match, c'est à Côte d'Ivoire, un match très important. Que nous avons gagné d'une manière très importante. Nous avons joué à Côte d'Ivoire et nous avons fait un bon match avec un très bon effort de tout l'effectif, parce que normalement, quand tu commences une préparation, tu as 4 ou 5 semaines pour travailler et pour commencer la compétition après 6 semaines ou comme ça. Nous avons commencé la compétition immédiatement avec un match vital, essentiel, comme c'est en Côte d'Ivoire. Nous avons gagné, c'était bien, magnifique. Après, nous avons gagné aussi ici à Sec Mimosas. Nous avons joué en Liban, un autre match important. Le match de Congo, que nous avons perdu, un match très difficile. Aujourd'hui, nous avons gagné. Alors, cette période de préparation, normalement, une équipe commence à jouer après de 5-6 semaines. Nous avons commencé la compétition tout de suite. L'effectif, si nous parlons de l'effectif, de cet effectif de cette année, avec l'année dernière, cet effectif de cette année s'est amélioré. S'est amélioré, ça a fait un effectif plus grand, aussi avec plus qualité. Les joueurs qui arrivent dans le recrutement, ils arrivaient, però, un joueur arrivait le premier jour, un autre. Alors, ça c'est. Tu m'as compris ce que je veux dire? Alors, ça c'est fait un effort pour part de l'entraîneur, de l'staff, pour intégrer les joueurs dans la part physique, dans la part tactique. C'est très difficile. Que les joueurs qui viennent d'arriver à un rendement immédiat, besoin de temps d'intégration physique, tactique, tout. Mais je pense que l'effectif s'est amélioré bien. Il y a Rahimi qui fait un rendement excellent. Il y a Chaban qui est arrivé cette semaine. Il y a Jabrun qui est un joueur très jeune, très bon, avec beaucoup de qualité. Il y a Lami qui est un très bon joueur. Il y a Salah et Ibrahima, qui sont deux milieux de terrain magnifiques, ils travaillent très bien, ils sont très importants pour l'équipe. Il y a Sanad, il y a Elias, je pense que je n'ai oublié pas. Alors, je pense que l'effectif s'est amélioré beaucoup. Se doit travailler avec cet effectif et avec les matchs, avec les entraînements, nous pouvons savoir le niveau que nous avons. C'est le football. Dans le football, je peux dire aujourd'hui, nous sommes magnifiques, mais sont les matchs qui montrent quel est notre niveau.
Comme tu viens à dire, l'arrière gauche spécialement, parce que l'arrière droite c'est Omar, Shakira joue beaucoup de fois à l'arrière droite, Imra c'est de l'espoir, un joueur qui aussi peut jouer à l'arrière droite, mais l'arrière gauche c'est seulement Esbira. Nous devons travailler pour conseiller que Esbira est à un bon niveau, et quand c'est clair que Esbira c'est difficile qu'il joue toute la saison, tous les matchs, alors nous devons gérer la situation avec le joueur de l'intérieur de notre équipe, de notre effectif. Et il y a Omar qui a joué derrière gauche, qui a joué bien. S'il y a la situation que nous devons jouer avec un autre joueur parce que c'est le soir, nous devons gérer la situation comme ça. C'est tout. Merci. Merci, coach. Soal. Coach, 3 matchs dans une semaine, comment vous allez gérer l'effectif du Raja? Oui, c'est clair, c'est comme ça. Cette semaine, c'est une semaine très importante parce qu'aujourd'hui, c'est un match de Botola, qui sont 3 points, c'est important, mais c'est clair que le mercredi, il y a un match, si je dois donner une ponctuation de 0 à 10, c'est 10. C'est un match essentiel pour nous, essentiel pour toute la saison. Alors, qu'est-ce que c'est clair que mercredi, c'est un match très important et nous devons être très, très concentrés dans le match de mercredi. C'est clair que quand tu joues 3 matchs en une semaine, normalement, il y a des joueurs que tu veux soin de faire, les joueurs qui sont frais ou plus frais, tu m'as compris ce que je veux dire, non? Si. Fresco. Fresco. Alors, c'est toujours faire l'équipe pour l'entraîneur de football, c'est la part difficile. Prendre la décision, c'est toujours la part difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui travaillent, mais finalement l'entraîneur se doit prendre des décisions. Pour le mercredi, qu'est-ce que nous voulons, c'est faire un bon match, gagner le match, parce que c'est un match qui est pour notre équipe, c'est un match important pour gagner. Et nous, comme équipe, je pense que le mercredi nous pouvons montrer que notre meilleur est un bon niveau, que le travail s'est bien fait, que l'équipe, nous avons commencé la saison, aujourd'hui c'est le premier match de Botola, mais l'équipe a montré un bon niveau compétitif dans les matchs compétitifs. J'ai déjà dit, spécialement tous les matchs de Côte d'Ivoire, les matchs à Côte d'Ivoire et les matchs ici à Casablanca, sont des matchs très importants que à niveau compétitif, l'équipe a montré un très bon niveau compétitif. Et c'est ce que, pour mercredi, c'est ce que nous voulons. Merci, coach. Quel coach est On passe 6-0, pas sûr. Merci. Très loin. C'est fini? Okay. Merci, coach. مرحبا يمكن نعطي لك المقابلة يمكن تكون ولكن ماشي هذاك هو البروبليم ديال الخساره اللي في الماتش كاليتي كان فرق كبير بين الرجاء والهزيمه اي لينيا اللي خرج اللي نعد الروي كارت ديال الحواس اللي عاد ما كانش باين كاع في الماتش هكاك مدك الماتش كامل ما خلينا حتى شي فرصه Merci, coach. Nous avons
انا كنحاول نخلي داكشي مورايا ونحاول نشجع اللعابه باش يكونوا واجدين في الماتش. داكشي نحاول ما يكونوش اللعابه اللي هما عارفين المشاكل ديال اللي وقع لينا في العاقلين، ماشي هو الاكسكيوز ديال الخساره ديال اليوم. كما قلت لكم الفرق كان كبير بين حسين ورجل. ميرسي كوتش. اوبيرا كاين، ولكن كمدرب انا ما خصنيش نقلب على الاكسكيوز. انا مسؤول على النتيجه اللي وقعت اليوم مع اللعابه. قلت لكم الناس الاخرين ما كيشوفوش باللي عاد البارحه دخلنا الهوتيل وما تريناش، ماشي هذاك هو الاكسكيوز. الكره هكا اللي خاص تخسر اليوم بزاف هو الجمهور، باش ما تفرجش في شي ماتش فيها باش كان واحد الماتش غادي واحد ديريكسيون. الجمهور خسر واخا شافوا 6 البيوت، ولكن ما كانش ماتش اللي يفرج الجمهور. كوتش سيور كران، الفريق ديال الحسيمه كيجيو للدار البيضاء اللي ما عندها الفريق رجع كبير. يعني انت يا واش خصك تلعب لا ديفونس ولا تهاجم؟ لاحظنا كيف على هاجم شويه ضروري. احنا جينا اولا ما نخسروش، نلعبوا واحد الحاجه على الاقل نلعبوا مزيان، وعارفين هنا في الرجاء تقدر تربح واحد الماتش في 10 ولا تعادل واحد الماتش في 99 تخسرهم هنا في الرجاء. الفرق ديال كاليتي كبير، وكان خصنا واحد الهدف اللي كان عندنا خصنا نلعبوا واحد الحاجه على الاقل نلعبوا شويه الكره، نعدوا شويه الرجاء، ولكن ما صدق لينا حتى شي مومنت في الماتش داكشي اللي كان على البلان. احنا كيف لاحظتوا مازال والبارح يلا كان عندنا 12 لعابه اللي مكلفين باش يلعبوا البطوله، بزاف اللعابه مازال ما جاو ليسونس ديالهم باش يلعبوا. لعبنا مع ما كانش على ارضك اليوم، كيف شفتوا كان عندنا البحري عامل ما لعبش وخالد كيدخل مزيان، اللوطي كل الاولى اللي مازال ما عندوش ليسونس. كيما هي هو الاكسكيوز ديال لاتاكو، حتى حنا ما كناش كنوصلوا نوصلوا الكره ل 16 كاع. باش كيما قلت لكم القوه كان فرق كبير بين الرجاء والحسيمة، نبقى هنا ساعه ونعاود لكم واحد. ميرسي كوتش، كان هذا اخر سؤال، شكرا.